Salut copain, cette nuit à la BE3, la conférence de Bethesda de l'E3, la plus grande convention gaming au monde, a été annoncé les deux prochains DLC de The Elder Scrolls Online. Nous avons encore peu d'informations sur le sujet, mais nous allons voir ensemble ce que l'on sait déjà à propos de ce futur contenu. Ces deux packs de jeux téléchargeables de The Elder Scrolls Online sortiront cette année en 2018, ils se nomment respectivement Wolfhunter et Merkmeyer, et voici donc ce que nous réserve Tezo pour le second semestre de l'année. Le prochain pack de jeux téléchargeables d'Ezo, Wolfhunter, sera un DLC donjon. Il proposera deux difficiles donjons de groupe, le fort du chasseur lunaire et la procession des sacrifiés. Comme leur nom l'indique, ces deux donjons tournent autour des loups-garous de Tamriel et vous pourrez plonger dans de nouvelles aventures autour des victimes de la lycanthropie et peut-être même rencontrer le prince des draps Irsin lui-même. Ces deux donjons proposeront des environnements très différents et opposeront votre groupe à des ordres de monstres et de boss complexes. Comme toujours, vous y trouverez de puissants ensembles d'objets, des masques de monstres et autres récompenses uniques. Le deuxième DLC, lui, vous permettra de vous aventurer en Argonie. Donc plus tard dans l'année, Merkmeyer déploiera une nouvelle zone avec son histoire propre, cette fois-ci dans la nation argonienne. Là, vous devrez gagner la confiance des tribus isolées, vous enfoncer dans les Xanmers en ruine et vous frayer un chemin dans la terre sauvage du Marais Noir pour y découvrir l'un des plus grands secrets de l'East. Comme les zones des packs de jeux téléchargeables précédents, Merkmeyer proposera une toute nouvelle zone à explorer avec une ligne narrative excitante, de nouveaux boss de zone, des antres et une toute nouvelle arène de groupe avec son classement propre. Ces deux packs de jeux téléchargeables seront disponibles dans la deuxième moitié de 2018, alors suivez bien ma chaîne si vous voulez davantage de renseignements sur Wolfhunter et Merkmeyer, je vous informerai à la moindre information croustillante. Voilà ce que l'on sait à l'heure actuelle sur les deux futurs DLC de The Elder Scrolls Online, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas laissez un petit pouce content en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce je vous dis à très vite, c'était Désastre, allez ciao!